C'est un octobre, il fait froid, donc j'espère vraiment que je vais pas tomber à l'eau. Et on va essayer donc cette fois, avec succès, j'espère, de traverser cette rivière avec un grappin et une corde, et en récupérant la corde une fois de l'autre côté. Ce qui est cool, c'est que là on n'en fait pas, mais il y a un petit peu pour retraverser à peu près de l'autre côté, donc ça va. Et voilà, on va tenter. Je crois que le grand moment est arrivé. Là, clairement, c'est vraiment... Heureusement que c'est pas trop haut. Parce que là, c'est vraiment du... premier essai. C'est ce que je fais est très risqué. Je pense. Ok. On va tenter. Ah, j'avais oublié une étape. Je vais prendre la boucle comme... une boucle, comme ça. Et je me souviens plus ce qu'on fait. Je vais essayer de trouver un truc, mais... Oh, j'aurais vraiment dû réviser le truc. Bon, supposons qu'on avait ça, qu'ensuite on fait ça, puis encore ça, voilà, tac, tac, ok, on va essayer un truc, puis on verra bien, hein. Ce que je vais essayer, c'est de faire repasser la boucle là-dedans, enfin la petite méchette ici, là. Je vais refaire passer ça là, ici aussi. Est-ce que ça nous permettrait d'avoir un truc qui soit un tant soit peu plus correct? Un tant soit peu plus. Voilà, on ferait tac, tac. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe si on tire? Ça a l'air pas dégueu du tout. Je serais d'avis, je suis même assez content, je suis d'avis de tenter le coup avec ça. Ok. C'est pas un nœud qui est en mode vraiment haute sécurité, blabla. Le but, c'est vraiment pour après pouvoir, une fois arrivé à l'autre bout, tirer sur la corde. Je vais me mettre vraiment en maillot de bain parce que si. J'ai amené des vêtements de rechange, mais j'ai vraiment confiance qu'il y a moyen que je tombe, donc voilà. On a notre corde là, comme ça. On a harnaché la petite paracorde, corde plus fine. Et on va simplement s'attacher avec ça. Bon, pas besoin de faire un nœud compliqué, hein, c'est pas notre poids qui va tenir là-dessus. J'espère qu'il y a personne qui passe, il y a un chemin juste derrière. S'il y a quelqu'un qui me voit comme ça, ça va peut-être être embarrassant. C'est pas grave. Tac, tac. Puis après, bon, petit nœud plat ou n'importe, hein, juste quelque chose pour que ça tienne un minimum. Voilà, on va dire ça. Je pense que ça va le faire. J'espère que la longueur sera suffisante, ce qui n'est pas si évident. C'est parti pour l'aventure. Ok. Le grappin aussi peut s'aider de l'autre côté, hein. C'est vraiment tendu ce que je suis en train de faire. En plus, la corde n'est pas hyper tendue parce que je n'ai pas réussi à la tendre à mort, je l'ai beaucoup détendu avec ça. Ça c'est aussi un truc qu'il faudra revoir, comment mieux tendre la corde pour la prochaine fois. Bon, alors, comment pas foirer le truc? Déjà, on va éviter de s'emmêler les pinceaux là, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, faire ça, tac, tac.
et on va faire... C'est drôle ça! C'est pas grave, je vais quand même tenter. On y va! Oh! Oh, ce fail! Oh, ce fail dans tous les sens du terme! Putain! Heureusement qu'elle est pas trop froide! Finalement, c'est peut-être réaliste. Ok. On retente. Voilà! Ah bah là, c'est parfait! Là, c'est bon! Il fallait juste bourriner, en fait. Alors, j'espère juste que... Ouais, si là, il s'accroche là. Ok, 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 ok. Donc, reprenons. Ok, et j'ai une idée de technique. On va venir faire des tours de corde pour maintenir un petit peu le serrage. Et là seulement on va faire un nœud. En fait voilà, ça y est, j'ai trouvé la solution. Le problème c'est que j'ai pas assez de longueur de corde pour ça. Mais la solution ça serait ça. Ça serait de faire des tours autour de l'arbre juste après. Comme ça on va maintenir le serrage et on pourra tranquillement faire son nœud sans qu'il se défasse, sans aucune vergogne, disons-le. Ok. Dieu, que faire? Ça, peut-être, oui, peut-être ça. Peut-être ça. Peut-être ça. Ok. Est-ce que ça tient si on tire comme ça? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient? Ah, ça tient pas trop. Ok, bon là, ça d'accord. La question c'est, est-ce que comme ça... Écoutez, on a vu que c'était pas trop grave, c'est se desserrer, ça vaut le coup de faire un nouvel essai. C'est vraiment une théorie là, franchement, niveau serrage, c'est pas ouf. Du tout. Mais on teste. Moment de vérité now! J'ai déjà fait 100. Mais juste parce que ça pète vraiment, je vais mettre un t-shirt. Tout à l'heure, j'ai fait comme ça en laissant la corde sur le torse. Et en fait, ça brûle quand même pas mal. Donc franchement, ça marche sans. Je vais mettre un t-shirt juste pour éviter de trop me brûler la peau. Mais en cas de vraiment de nécessité, c'est possible de faire sans. Enfin, en tout cas, sur la petite distance que j'avais fait tout à l'heure, ça passait quoi. Ok, c'est parti. Donc, on fait ça. Là, j'ai vraiment envie de tomber hein. Derrière, ça c'est pas cool. Oh, ça c'est pas cool du tout. What the fuck? C'est un sketch? Oh, c'est un sketch. Je suis con, j'aurais dû. Youpi. Ok, j'ai compris. Ce qui a ce clocher, c'est qu'en gros, bon, mon t-shirt. La longueur de corde était trop courte et je me suis retrouvé arrivé là-bas à bah, être tiré par ça ici là, ce qui était censé me permettre de défaire le nœud à l'arrivée. Et bon, ça c'est pas un truc inquiétant parce que ça veut juste dire il faut une meilleure longueur de corde. Et surtout en passant avec une corde assez longue, il n'y aurait pas eu besoin tout court de cette ficelle de remplacement quoi. Oui, donc ce qui s'est passé effectivement, c'est que du coup, bah, ça a défait le nœud, vu que j'ai tiré dessus. Donc, on retient
que la technique là d'enrouler autour ça marche, parce que là du coup ben ça a défait le nœud, enfin là on voit hein, ça a tout défait, c'est pour ça que ça a commencé à un peu se baisser. Mais du coup pour cette fois là comme on a passé de longueur de corde, on va faire sens et on va refaire la méthode d'avant, c'est à dire je tourne la caméra, on reprend tout, on va de nouveau venir tendre pareil. Hop là. Et on va faire un nœud directement sans faire des boucles autour, parce que bah, on n'a pas assez de longueur pour faire des boucles, c'est dommage. Ah tiens, compromis. On va quand même faire une boucle, mais on va la faire ici. C'est un petit compromis et je pense que ça, d'extrême justesse, on devrait quand même avoir assez de longueur pour traverser. J'espère. Ou alors sinon je vais arracher le char dans ma bouche pour éviter d'avoir à faire un nœud autour de moi. Ah bah, on va faire ça. Encore une fois, on reverra plus tard pour les nœuds, mais. Je vais peut-être trouver le nœud qu'il faut, je dis bien peut-être. Et là en plus on a perdu très peu en tension, donc ça c'est cool. Donc là je vérifie, si je tire là ça devrait bien se défaire, normalement. Et ce qu'il faut surtout vérifier c'est que, est-ce que... Non, c'est bon, ça a l'air de s'en foutre de ça. Ok, je crois qu'on a enfin le bon nœud. Donc on reprend la même chose. On va faire ça. Si jamais je me retrouve encore aux trois quarts à pas avoir assez de cordes, ce que je ferai c'est que je la déferai et je la mordrai dans ma bouche. Mais là, je vais quand même encore réessayer en faisant un petit anneau. Ça devrait le faire. J'ai quand même tendance à penser que là, ça devrait le faire. Faut espérer. On va dire, c'est jamais simple. Hein. On peut bien sûr réussir du premier coup, mais faut pas se décourager quand c'est pas le cas. Parce qu'au final, c'est quand même souvent pas le cas. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Au moins, le grappin, si ça se trouve, c'est ça qui va céder. Hein, mais j'ai tendance à avoir relativement confiance au grappin. Là. Il devrait quand même mieux tenir. Ok. Check. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer la corde? Est-ce qu'on va voir maintenant? Le grand moment de vérité, c'est peut-être maintenant. Bon, déjà on a traversé, c'est déjà un bon point. Maintenant, pour récupérer la corde, on tire. Oh, ça s'est défait tout seul, ça c'est une très bonne nouvelle. Et est-ce que... Non. Alors, est-ce qu'on n'a pas assez tiré? Ah, putain, le con, je sais. C'est les nœuds qui... Le nœud s'est défait, je pense, mais les tours qu'on a fait autour de l'arbre suffit à maintenir à peu près la corde. Ok. Bon bah bon à savoir. Hein. C'est bien ça, on a réussi à défaire le nœud, mais il y avait... Rien que le truc ici, ça suffit à maintenir quoi. Et ben au final, on aura beaucoup appris avec cette petite expérience. Entre autres, d'une part, ben que lier deux cordes. Donc là, ce qu'on voit, c'est le fameux nœud dont qu'on peut défaire juste en tirant sur le petit bout. Donc sur le petit bout ici, avec lequel je m'étais attaché en traversant. Donc principalement, ce qu'on a appris, je pense, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe à ce que le grappin soit bien accroché. Parce que la première fois, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ben c'est tombé. La deuxième chose, c'est ben là c'est ce qu'on voit sur l'image ici, éviter un petit peu de devoir lier les cordes ensemble. Il vaut mieux avoir une corde longue parce que sinon ben ça peut avoir des blocages au moment où on veut retirer la corde. Et enfin finalement qu'il faut pas faire plusieurs boucles sur le tronc. Donc au final, si on avait trois points à retenir, ça serait vérifier que le grappin soit bien attaché, enfin tienne vraiment bien. Deuxièmement, tant que possible, essayer d'avoir une seule corde très longue plutôt que deux qu'on lie. Et si on lie les cordes, faire vraiment en sorte que les boucles soient grandes et que le lien entre les cordes soit vraiment le plus petit possible. Parce que c'est vraiment cette sorte de boule entre les cordes qui bloque. Et enfin, de pas faire plusieurs tours autour du tronc, tout simplement. Et de choisir des troncs qui soient solides et sans branches pour que le nœud puisse facilement se défaire. Et c'est à peu près tout. Donc là, finalement, il n'y aura eu pas d'essai finaux qui marche parce qu'il était tard et j'avais clairement la flemme de faire encore un autre essai. Mais
concrètement, c'était quand même vraiment pas loin de marcher. Là, on a vu que c'était possible de traverser, et je sais que c'est possible de récupérer la corde. J'essaierai peut-être de faire une autre vidéo, un de ces quatre, ça serait cool. C'est juste que là, ben, j'avais fait tellement d'erreurs que c'était pas possible sur cette journée-là. Mais je pense qu'en le refaisant, ça pourrait marcher. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis ben, n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous pensez, d'autres idées peut-être, etc. Et puis désolé si j'ai maltraité les arbres cette vidéo, normalement ça va. Mais effectivement, à l'avenir, peut-être faire plus gaffe à vraiment choisir des gros arbres pour faire les nœuds et vraiment viser le grappin à un endroit où ça gênera pas. Et puis ben. En tout cas, c'était une belle expérience, c'était bien chouette. Franchement, j'ai passé un bon moment. Et donc voilà, juste comme d'hab, ça vaut le coup de tenter. C'est tout ce que j'ai envie de dire pour aujourd'hui au final. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.